Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Je suis là. En moi, quand tout ce que j'ai dit est vrai, je ne t'oublierai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je peux voir tes larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, quand tout ce que je dis est vrai, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Bonsoir, bien-aimés chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous rencontrer à nouveau pour la réunion de prière du mercredi.
Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et jusqu'à maintenant, il nous a conservé le souffle de vie. Il nous a soutenus. Donc, nous ne pouvons que le louer. Donc, nous saluons aussi tous les frères et sœurs qui nous regardent de différentes églises autres que notre église propre et les amis aussi qui nous suivent sur le YouTube. Donc, bien-aimés, nous allons avant tout commencer par prier puisque nous sommes venus ici pour prier. Donc, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour ta miséricorde envers nous. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Médiateur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous par Jésus-Christ et pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour de notre vie. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, de nos offenses. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Et à cette heure, dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, la parole de vérité. Et permet qu'elle nous fortifie, permet qu'elle nous encourage à persévérer et qu'elle nous aide, Seigneur mon Dieu, à fixer les yeux sur toi. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Notre sujet de ce soir s'intitule Dieu est là. Dieu est là. Dans la vie, il y a des événements heureux et des événements malheureux. Et l'on dit avec raison que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ici-bas, surtout le chrétien doit souvent faire face à des épreuves, des détresses, des déceptions cruelles. Mais Dieu veille jalousement sur ses enfants. L'exemple d'Élie le prophète est une illustration des plus frappantes de cette réalité. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 19 l'exemple d'Élie. Au verset 1er et au verset 2, il est dit: Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà un homme de Dieu qui vient de faire une démonstration devant le peuple de Dieu. Le peuple s'était livré à l'apostasie sous l'instigation du roi Acab et de la reine Jézabel. Jézabel était une femme perverse et abominable qui n'hésitait pas à avoir recours aux mensonges, aux crimes pour arriver à ses fins. Alors, Élie le prophète va s'opposer à eux au nom de Dieu et il va réunir tout Israël et les faux prophètes de Baal et leur poser un défi. Et lors de ce défi, eh bien, le Dieu qui allait se manifester par le feu, c'est lui qui serait Dieu. Et bien, bien-aimé, Dieu s'est manifesté et tout Israël a reconnu que Dieu, c'est lui qui était le vrai Dieu. Et le peuple a confessé ses péchés. Après avoir confessé ses péchés, Élie, encore lui, est resté sur le Carmel avec Acab. Il a prié pour qu'il pleuve, puisque ça faisait 3 ans et demi qu'il ne pleuvait pas. Et Dieu a envoyé la pluie au bout de 7 prières d'intercession en faveur du peuple. Après cela, comme il pleuvait très fort, qu'il faisait sombre, Élie, saisi par l'Esprit de Dieu, a couru devant un char royal jusqu'aux portes de Jizréel pour pouvoir conduire le roi Acab pour qu'il ne puisse pas avoir de soucis durant la route. C'est extraordinaire. Quand on réfléchit à cela, un homme qui prie Dieu et Dieu répond par le feu, il intercède 7 fois et Dieu fait pleuvoir et après, saisi par l'Esprit de Dieu, il court devant un char royal. Vous savez, un char royal, ce sont des chevaux, ce sont des puissants
qu'il y a sur un char royal. Et un cheval, normalement, court à 70 km/h. Et Élie courait devant le char. C'est vous dire, chers amis, la foi que cet homme avait en Dieu et les possibilités que cela donnait à Dieu de l'utiliser. Mais seulement, quand Akab est rentré chez lui, eh bien, Akab a dit à sa femme, « Si tu savais ce que Élie a fait, » et il raconte à Jézabel, et Jézabel ne voit pas ça du tout de bon œil, et elle envoie un messager à Élie pour lui dire, « Demain matin, tu es mort. » Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, la femme dévergondée que Jézabel, qui menace le prophète, qui a appelé Dieu, et le feu est descendu. Le prophète qui a prié, et alors, chers amis, il a plu après 3 ans et demi. Le prophète qui est saisi par l'Esprit de Dieu et qui arrive à courir devant un char royal. Mais au verset 3, voilà ce qui se passe. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et Élie laissa son serviteur. Voyez-vous, chers amis, Élie a affronté 400 prophètes de Baal. Il était tout seul. Personne n'osait se montrer en grand pour l'Éternel. Et là, une femme lui dit, « Demain, tu es mort. » Ce n'est pas un homme, une femme, même si elle est reine. Et alors, Élie, comme on dit en créole, il ne peut pas courir. Comment expliquer qu'après avoir fait de si grandes expériences, Élie puisse échouer devant Jézabel? Eh bien, chers amis, n'allons pas lui jeter la pierre et dire toutes sortes de choses. Non, il est un homme et l'homme peut se décourager. L'homme peut effectivement baisser les bras. Après avoir accompli de grandes choses, eh bien, même le plus grand peut défaillir devant l'épreuve. Et certaines fois, c'est une petite épreuve qui fait défaillir le plus grand. Ainsi, Élie décide de compter sur lui-même et non sur Dieu. Et donc, il va partir, il va fuir. Parce qu'il espérait qu'après avoir accompli tout cela, eh bien que tout le monde applaudirait, vive l'Éternel dans le pays, et que tout le pays allait servir l'Éternel. Mais Jézabel n'entendait pas cela de la même oreille. Ainsi, bien-aimés, chers frères et sœurs, apprenons ici une leçon. Les victoires que nous remportons ne veulent pas dire que toutes les victoires sont déjà remportées. Nous devons toujours combattre. Nous devons toujours rester sur nos gardes. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous aurons toujours à combattre. Donc nous devons rester sur nos gardes. Alors au verset 4, voilà l'état d'Élie. Alors il dit, pour lui, il alla dans le désert, un endroit où il n'y a personne. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Chers frères et sœurs, cet homme s'est tenu tout seul sur le Carmel devant 400 prophètes hostiles à l'Éternel, des gens qui en voulaient même à sa vie. Et là, il a plaidé avec Dieu. Dieu lui a répondu, il n'avait pas peur de se tenir devant le roi et de lui dire que c'est toi qui troubles le pays à cause de tes péchés. Et voici, maintenant, il est couché sous un arbre et il demande à Dieu de le faire mourir parce qu'il en a assez. Il ne voit plus rien. Il est découragé. Il est découragé. Chers frères et sœurs, cela arrive bien souvent. Dans la vie de tout homme, il y a des périodes de profonde dépression, de découragement total, des jours où la tristesse nous envahit. Et c'est là que beaucoup sombrent dans le doute et l'incrédulité et qu'ils ne croient pas à la bonté du Seigneur envers eux. Chers frères et sœurs, quelle que soit la situation que tu vis, cela arrive parce que nous sommes des hommes et que nous sommes encore sur la terre.
Du jour au lendemain, tu peux perdre ta maison. Du jour au lendemain, tu peux perdre un membre de ta famille. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver au chômage. Du jour au lendemain, ceux à qui tu as fait le plus de bien, ils deviennent tes ennemis. Ceux de ta propre maison se révoltent contre toi. Ceux de ton église, pour qui tu as jeûné, pleuré, prié, eh bien, ils te traitent en paria. Alors, à ce moment-là, on se dit, à quoi bon? À quoi bon lutter? À quoi bon persévérer? Je ne suis plus bon à rien. Plus personne ne veut me voir. Alors, on est découragé, on est abattu. La Bible nous a montré ces exemples d'hommes de Dieu qui se tenaient près de Dieu et qui ont subi de telles déconvenues. Élie pensait que tout le monde allait l'accueillir à bras ouverts après et que tout le monde dirait « Vive l'Éternel ». Jézabel lui a dit « Demain, tu es mort ». Ainsi, chers frères et sœurs, les victoires remportées pour la cause de Dieu, si elles enchantent ceux qui aiment Dieu, eh bien, elles soulèvent la colère de ceux qui n'aiment pas Dieu. Et alors, ils s'en prennent à ceux avec qui Dieu s'est servi pour opérer ces grandes victoires. Donc, voilà cet homme de Dieu, puissant dans la foi, qui maintenant, eh bien, il est totalement découragé au point qu'il demande la mort. Job aussi, qui était un homme intègre, Job disait, eh bien, pourquoi il reste en vie? Autant qu'il meure. Mais Dieu n'a pas permis que Job meure, parce que Dieu avait de plus grandes bénédictions en réserve pour lui. Et c'est ça le problème de l'homme, et c'est ça l'homme, c'est que nous ne voyons pas loin, mais le Seigneur voit plus loin que nous. Et ce qu'il permet, chers amis, eh bien Dieu, il le contrôle. Les vents, les flots sont mesurés par la main de Dieu. Lorsque Élie demande la mort, eh bien Dieu va faire tout autre chose. Et au verset 5, il est dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Donc il est fatigué, il a envie de mourir. Alors là, il dit, il peut mourir dans le désert. Et il se couche, peut-être avec l'espérance de ne pas se réveiller. Il a envie de mourir, mais Dieu n'a pas décidé qu'il meure. Et remarquez ce qui se passe. Il est dit, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Élie dit, je veux mourir. Mais Dieu lui envoie un messager. Il s'endort, pensant que pour lui, il ne va pas se réveiller. Mais Dieu dit, réveille-toi. Ce n'est pas là le temps de dormir, ce n'est pas là qu'il faut dormir. Lève-toi. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dieu ne lui parle pas de spirituel, parce que son besoin là, pour l'instant, il n'a pas encore besoin du spirituel. Mais on est totalement dans le spirituel, puisque l'ange est là. Alors, il lui dit, mange. Si l'homme ne mange pas, eh bien, il meurt. Élie avait couru devant le char. Il n'avait pas eu le temps de se reposer, qu'il est reparti. Il a fait combien de kilomètres dans le désert? Eh bien, maintenant, Dieu lui apporte à manger. Les corbeaux l'avaient déjà nourri. Maintenant, Dieu n'envoie pas un corbeau. Dieu envoie un ange du ciel. Et l'ange lui dit, mange. Élie regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but. Il a obéi, il a mangé, il a bu. Et qu'est-ce qu'il va faire à nouveau? Eh bien, il se recoucha. Les amis, Élie, il est au fond du trou. Là où il est là, eh bien, il se dit, c'est là qu'il est mort. Il n'a pas envie d'aller plus loin. Il a bu, il a mangé, tu lui as dit de boire, de manger, ok. Mais il ne fait pas un pas de plus. Mais Dieu est tellement bon, chers frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Les amis, Dieu, il revient. Et remarquez comment il s'adresse à Élie. On peut sentir dans le texte qu'il y a une douceur, qu'il y a une tendresse, qu'il y a une compassion qui se dégage. Dieu ne vient pas lui dire, hé Élie, levez-vous là, levez-vous là, levez-vous là. Dieu, ce n'est pas ce que Dieu fait.
Dieu lui dit, lève-toi. Dieu lui parle avec douceur parce que Dieu sait qu'il est en difficulté. Dieu sait que là où il est là, il est en faiblesse. Alors Dieu ne vient pas avec un bâton, Dieu vient avec amour. Dieu vient avec tendresse. Dieu vient avec la compassion, la douceur de Christ. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Le chemin est trop long pour toi. Et cette douceur, chers amis, Élie va se lever, il va manger. Il va finir ce qu'on lui a apporté. Il va se lever. Alors, verset 8, il se leva, mangea et but. Donc, l'ange l'a convaincu de manger suffisamment. S'il y a des moments où il faut jeûner, il y a des moments aussi où il faut se nourrir. Remarquez, Élie, lui, il voit que c'est là qu'il va rester. Il se couche là, il dit, moi je vais mourir là. D'accord. Il se lève, il mange, il se rendort. Il ne se déplace pas. Mais quand l'ange vient, l'ange lui dit, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le chemin est trop long pour toi. Tu crois que ta vie est finie parce que ce que tu espérais n'est pas arrivé. Tu crois que ta vie est finie parce que ce que tu aimais est bientôt rejeté. Tu crois que ta vie est finie parce que tes plans et tes desseins, eh bien, ne sont pas arrivés à accomplissement comme tu voulais. Tu crois que ta vie est finie? Dieu dit non. Dieu dit, le chemin est trop long pour toi. Il faut que tu te lèves, que tu manges et que tu bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu connaît la longueur du chemin. Dieu connaît quel chemin il va te faire passer, par quel chemin il va te faire passer. Ainsi, la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée parce qu'il dit le chemin est trop long pour toi. Dieu connaît la longueur du chemin. Toi, tu ne sais rien. Toi, tu ne vois qu'une chose. Eh bien, je vais mourir ici. Ma vie se termine ici. Mais Dieu dit non. Ta vie ne se terminera pas ici parce que tu as un chemin à faire. Dieu a tracé une route pour toi. Et lorsque tu rentres dans le plan de Dieu, Dieu te conduit jusqu'au bout du chemin. Élie était dans le désert et il était sûr que c'est là qu'il allait mourir. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas ici que tu vas mourir. Tu as encore du chemin à faire. Et alors, il se leva, mangea et but. Chers frères et sœurs, nous aussi, il nous est dit que nous devons nous lever. Nous devons manger et nous devons boire. Qu'est-ce que nous devons manger et boire? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un ne boit pas mon sang, il ne mange pas ma chair, eh bien, il ne peut pas vivre. Ainsi, nous devons manger et boire la parole de Dieu. Et lorsque nous allons manger et boire la parole de Dieu, eh bien, cette parole va nous donner la force pour aller jusqu'au bout du chemin que Dieu a tracé pour, que Dieu a tracé pour nous. Alors, Dieu a envoyé un ange. Voyez-vous, Dieu connaît nos difficultés. Dieu connaît lorsque nous sommes découragés. Et dans le découragement, eh bien, Dieu, il nous envoie le secours. Jésus lui-même, lorsqu'il était dans sa lutte terrible à Gethsémané, Jésus fut fortifié par l'envoi d'un ange. Luc 22, versets 43 et 44. Luc 22, versets 43 et 44. Luc chapitre 22, versets 43 et 44. Il est dit ce qui suit. Luc chapitre 22. Voilà. Il dit, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devenait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ainsi, la lutte de Jésus était ardente parce que Jésus portait sur lui le poids des péchés de l'humanité. Et Satan l'accablait par ses tentations en lui disant que ce n'est pas la peine de mourir pour les hommes. Et quand Jésus priait ainsi, eh bien Jésus sentait la séparation qu'il y avait, que le péché produisait entre lui et son Père. Et alors, eh bien, Dieu, dans ce combat redoutable, Dieu ne l'a pas laissé seul. Dieu a envoyé un ange venu du ciel pour le fortifier. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, cela nous montre que Dieu a envoyé l'ange pour Élie. Dieu a envoyé l'ange pour Jésus. Dieu va envoyer l'ange pour chacun de nous. Dans la situation que nous rencontrons, quelle que soit ta situation,
chers frères et sœurs, quelle que soit ta situation, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, quelle que soit ta situation, amis, eh bien, confie-toi en l'Éternel. Et Dieu a déjà délégué un ange du ciel pour venir à ton secours. Même si tu ne le vois pas comme Élie, mais l'ange, assurément, eh bien, Dieu l'a déjà envoyé pour te porter du secours. Ainsi, Dieu connaît le chemin. Et ce chemin, eh bien, dans ce chemin, Dieu ne te laisse pas marcher tout seul. Jésus n'a-t-il pas dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Hébreux 13, verset 5, il a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors Dieu nous dit, « Ne crains pas. Ne crains pas. Ne sois pas découragé. Mais au contraire, lève les yeux vers l'Éternel et crois dans ton Dieu. Crois que Dieu est là. Et puisque Dieu est là, alors pas besoin de se décourager. Pas besoin de se décourager parce que Dieu va envoyer à ton secours l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Et l'ange de l'Éternel viendra pour te fortifier. Ainsi, Élie, il a reçu le secours. Jésus a reçu le secours. Et dans Luc 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi. » afin que ta foi ne défaille point. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ainsi, Jésus, connaissant les événements des derniers temps, connaissant la difficulté de la vie sur la terre, Jésus a d'avance prié pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Donc, chers amis, ce que nous avons à faire, c'est de nous concentrer sur Christ, c'est de nous focaliser sur lui. C'est de rechercher sa face. Et alors, eh bien, la prière de Jésus sera exaucée pour nous. Alors, ainsi, dans le livre Prophète et Roi, il est dit, le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Chers amis, ça veut dire que l'habitat, c'est le bon Dieu plus proche en nous. Plus les choses sont dures, c'est plus le secours est grand. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants dans l'adversité. C'est vrai que peut-être que nous disons, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà chanté tous les cantiques, fait tous les psaumes, mais je ne vois rien. L'Éternel a dit, continue. Continue à te nourrir, parce que le chemin est trop long pour toi. Continue. Au bout du chemin, la délivrance est là. Au bout du chemin, le succès est là. Tant que tu t'appuies sur Dieu, eh bien, Dieu ne te laissera jamais tomber. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Il dit, aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. C'est-à-dire que de toi-même, tu vois que tu ne peux absolument rien faire. Mais ta foi en Dieu, ta confiance dans le Seigneur, eh bien, c'est la clé du triomphe. Il est dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois cela, si véritablement tu t'appuies sur le Seigneur, eh bien, le Seigneur Jésus va te délivrer par la grâce de Dieu. Ta délivrance est programmée. Ton succès est programmé, mais il faut que tu te confies en Dieu et que tu restes dans les mains de Dieu. Ainsi, l'ange lui dit, mange et bois, et le chemin est trop long pour toi. Et quand Élie a mangé et il a bu, lui qui pensait mourir sous le genêt, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il marcha, verset 8, 40 jours et 40 nuits. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Et où est-ce que ces pas l'ont mené? Eh bien, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Ainsi, Élie pensait mourir dans le désert, sous le genêt, misérablement. Mais Dieu lui envoie la nourriture, Dieu lui envoie la force. Et il va jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Tu crois que c'est dans les difficultés que tu as que tu vas rester? Non, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie, un plan qui exaltera le nom de Dieu. Dieu veut te conduire à la montagne de Dieu. Dieu veut te conduire au travers de ce que tu vis, à
à une plus grande relation avec lui, à une plus grande communion avec lui. C'est ça, c'est là que Dieu veut te conduire. Et alors, bien-aimé, remarquez l'expérience d'Élie. Lorsque Élie arriva à Horeb, il entra dans la caverne au verset 9 et Élie passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. L'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qu'on fait là? Dieu lui a confié une mission. Dieu lui a confié une mission dans le peuple. Et maintenant, Élie, il est dans la caverne. Il pensait mourir dans le désert. Alors Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Puisque logiquement, toi et moi, on devait travailler parmi le peuple. Et là, tu n'es pas parmi le peuple, mais tu es loin du peuple. Alors Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Et Élie, eh bien, il va dire à Dieu, voici mon problème. Il dit, moi j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie dit à l'Éternel, le seul enfant de Dieu qui reste en Israël, c'est lui. Donc, c'est lui le dernier des Mohicans. Si on le tue, après ça, il n'y a plus personne, Seigneur. Donc, pour éviter cela, eh bien, j'ai préféré avoir recours à la fuite. L'Éternel ne répond rien à Élie là-dessus. Et l'Éternel lui dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Trois manifestations spectaculaires. Un vent qui déchire les rochers. Un tremblement de terre impressionnant. Et un feu. Et il dit qu'on essaie le feu. Mais il dit que l'Éternel n'était pas dans ces choses-là. Bien-aimés, chers frères et sœurs, reconnaissons ceci. Ce ne sont pas les manifestations les plus spectaculaires qui révèlent le mieux Dieu à nos yeux. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il est dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie va redire la même chose. J'ai déployé mon zèle et il cherche à m'ôter la vie. Voyez, l'Éternel vient lui parler. Chers amis, on voit des prédicateurs de feu, des hommes très vibrants, qui sont comme le feu. Il y a ceux qui sont comme le tremblement de terre. Il y a d'autres, eh bien, des prédicateurs, des chrétiens aussi. Ils sont comme un vent violent. Ils sont sincères. Mais celui qui manifeste mieux la gloire de Dieu, c'est celui qui ressemble à Jésus-Christ. Car il était doux et humble de cœur. On n'entendait pas sa voix dans les rues. Il ne rendait point le mal pour le mal, ni injure pour injure. Il est doux et humble de cœur, bénissant ceux qui le maudissaient, priant pour ceux qui le maltraitaient, mourant même pour ses ennemis. Chers amis, celui qui va exalter Dieu au plus haut niveau, c'est celui qui va ressembler à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui se laisse immoler. Il pourrait courir comme Élie, mais lui, il s'est laissé immoler. Ainsi, celui qui révélera le mieux Jésus-Christ et l'amour de Jésus, c'est celui qui sera aimable et aimant. Aimable et aimant. Alors là, il va montrer la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, c'est l'amour de Christ qui fait rayonner en nous. Et donc, Élie va redire à Dieu, voilà pourquoi je suis ici. Ils veulent me tuer. Cela nous montre quelque chose. Pour Élie, c'est lui qui porte l'œuvre de Dieu sur lui. Chers frères et sœurs,
et wow, personne ne peut porter l'œuvre de Dieu sur lui. Dieu porte son œuvre lui-même. L'Église n'est pas fondée sur nous, mais l'Église est fondée sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ. Et chaque fois qu'un homme veut porter l'Église sur lui, eh bien l'Église devient trop lourde pour lui. Et finalement, il finit par être écrasé par le poids. Nous devons servir Dieu d'un cœur sincère. Nous devons être un seul avec Dieu dans le service. Mais n'oublions jamais que l'Église, c'est l'Église de Dieu. L'Église n'est jamais notre. Nous sommes des serviteurs et nous devons faire un service sérieux, sincère, total. Mais nous devons laisser à Christ la charge de son Église. Ainsi, il nous est dit, l'Éternel ne dit rien à Élie là-dessus, puisqu'il avance ses arguments. Et l'Éternel lui donne un ordre de mission. Il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu joindras Azaël pour roi de Syrie. Tu joindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu joindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Ah, Élie apprend que Dieu a quelqu'un qui peut le remplacer. Lui qui disait qu'il était tout seul, mais Dieu avait déjà un remplaçant. Et Dieu lui dit, tu vas le win à ta place comme prophète. Et il lui dit ceci, au verset 18, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Pourquoi Dieu laisse 7000 hommes en Israël? La réponse suit, il dit, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Ainsi, Élie disait, je suis seul, Seigneur, et ils veulent me tuer. Et il pense qu'il est tout seul au monde. Mais Dieu lui dit, j'ai 7000 soldats prêts à te remplacer. 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Bien-aimés, chers frères et sœurs, peut-être que tu es dans l'adversité. Peut-être que tu es dans la difficulté, dans le découragement. Peut-être que tu penses que tu es seul au monde à subir ça. Non, nous avons des frères et sœurs dans le monde entier. Et certainement, il y en a qui subissent la même chose que toi. Ils font confiance à Dieu. Toi aussi, tu dois faire confiance à Dieu. On n'est pas seul à supporter les mêmes choses. Dans le monde, Satan est après tous les enfants de Dieu. Et tout le monde est éprouvé. Et tout le monde sera éprouvé, chers frères et sœurs, car nous sommes à la fin des temps. Mais nous ne devons jamais croire que nous sommes les seuls. Et nous ne devons pas nous mettre à nous plaindre parce que nous subissons quelque chose, mais nous devons au contraire tourner les yeux vers Dieu et avancer et ne pas nous décourager. Ainsi, chers frères et sœurs, je vais vous lire un extrait du livre Patriarches et Prophètes, à la page 348. Il est dit, l'espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. Ce sont les fruits de la foi. Le découragement est coupable et déraisonnable. Dieu peut et désire montrer avec plus d'évidence la force dont ont besoin ses serviteurs dans les difficultés. Les plans des ennemis de sa cause peuvent sembler solidement établis, mais le Seigneur est capable de renverser les mieux assurés. Il le fait en son temps. Lorsqu'il voit que la foi de ses enfants a été suffisamment mise à l'épreuve. La délivrance arrive lorsque Dieu voit que ta foi a été suffisamment mise à l'épreuve. Donc, Dieu a un temps pour la délivrance, mais Dieu a un temps aussi où Dieu pèse ta foi. Ah oui, c'est pas quand on crie. Des fois, on crie, Dieu répond tout de suite, mais des fois, Dieu laisse la chose là. Comment comprendre que Dieu est tout puissant? Et il dit que la bête a régné pendant 1260 années. Et il fallait être chrétien pendant ces 1260 années. Alors qu'il y avait torture, alors qu'il y avait toutes sortes d'atrocités, et pourtant Dieu était assis sur son trône. Mais Dieu dit, heureux dès à présent les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Pour Dieu est tout puissant, et pourtant il les a laissés mourir pour le nom de Christ. Dieu ne les a pas délivrés. Ah oui, Dieu est venu, il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego,
dans la fournaise. Mais il y en a beaucoup d'autres que Dieu n'a pas délivré. Le prophète Ésaïe n'a pas été délivré de la main de Manassé. Il a été scié en deux. Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir, la puissance de le délivrer? Mes amis, ce qui compte plus que toute autre chose, c'est la gloire et l'honneur de Dieu. C'est que nous restions fidèles jusqu'au bout. Et le nom de Dieu est glorifié. Et c'est ainsi que notre service à Dieu comprend aussi le risque de perdre la vie. Tout peut s'effondrer pour nous. Nous pouvons tout perdre du jour au lendemain. Nous retrouver aussi dans la rue. Mais les hommes d'avant, ils allaient ça et là, errant dans les cavernes, parce que la terre n'était pas digne de les recevoir, parce qu'ils croyaient en Dieu. Chassés, ennemis, tout le monde, personne ne veut les voir, mais cependant, aimés de Dieu et précieux aux yeux de Dieu. Et lorsqu'ils ont été assez éprouvés, eh bien, qu'est-ce que la parole a dit? Eh bien, Dieu a envoyé les Français qui ont anéanti le pouvoir de la bête. Voyez-vous, il y a un temps de délivrance. Dieu avait dit par le prophète Jérémie 70 ans de captivité. Et lorsque les 70 ans sont arrivés, le prophète a dit, je vis par les livres que le temps dont le prophète Jérémie avait parlé était accompli. Et donc il a prié et Dieu a délivré. Mais pendant les 70 ans, où était le peuple de Dieu? À Babylone. À Babylone, il fallait supporter l'épreuve, chers frères et sœurs. Ainsi, Dieu a un temps où il délivre ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants, mais ils doivent aussi exercer leur foi. Et donc, quand Dieu juge que leur foi a été assez mise à l'épreuve, alors Dieu intervient. Il est dit, et écoutez ceci, il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu. La foi, la prière, le travail. Voilà le remède que Dieu donne par l'esprit de prophétie. Il dit, la foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement aux jours les plus ténébreux? Alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins. Il est tout puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. L'apôtre Paul a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Élie pensait qu'il allait mourir dans le désert. Mais Dieu lui envoie un ange. Il a vu l'ange face à face. Après, Dieu est venu à sa rencontre dans la caverne. Remarquez la progression. Dieu est venu avec lui dans la caverne. Et Dieu lui a parlé. Il a entendu la voix de Dieu, un doux murmure. Et alors, il s'est calmé. Il a reconnu la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu pour lui, que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Alors, il a repris son chemin. Il a accompli sa mission. Et lorsqu'il a fini d'accomplir sa mission, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a envoyé ses chars pour chercher Élie, et Élie est monté dans le ciel sans passer par la mort. Lui qui pensait mourir sous le genêt, eh bien Dieu lui a fait voir que tu ne vas pas mourir dans le désert. Dieu lui avait dit le chemin est trop long pour toi. Et finalement, son chemin a abouti devant le trône de Dieu dans le ciel. Là, il ne l'a plus entendu seulement, mais là, il l'a vu, il l'a contemplé. C'est extraordinaire. Et qui c'est qui est venu pour soutenir Jésus dans son combat avant la crucifixion? Élie, en compagnie de Moïse. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu connaît la longueur de notre chemin. Ne nous décourageons pas. Si aujourd'hui tout semble sombre, mais Dieu a un plan pour chacun de ses enfants, et le plan de Dieu est le meilleur qui soit. Donc, ayons foi en Dieu. Dieu est là. Ne nous décourageons pas. Nous allons prier.
Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions parce que tu es là, Seigneur. Et bien souvent, quand nous sommes dans le noir, dans le fond, eh bien, tu veux nous relever, Seigneur. Papa, envoie ton ange auprès de tes enfants qui sont découragés. Envoie tes anges puissants, Seigneur, mon Dieu, pour chacun, pour tous ceux, Éternel, qui crient à toi. Seigneur, il y a ceux qui sont malades, qui rencontrent des situations de maladie. Il y a ceux, Seigneur mon Dieu, qui rencontrent des difficultés dans la famille. Il y a ceux, Éternel mon Dieu, qui ont des difficultés, Éternel, pour pouvoir s'insérer socialement. Il y a ceux, Éternel mon Dieu, qui sont désespérés parce qu'ils vivent une situation depuis des années. Mais Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui que tu es là, Seigneur mon Dieu, et que tu envoies ton ange à notre secours, et que le chemin est encore long, mais que tu as un plan, Seigneur. Alors, Père, ouvre nos yeux, réalise ton plan, Seigneur. Donne la force, le courage, donne la persévérance à tes enfants, et permets, Seigneur éternel, qu'ils gardent les yeux fixés sur toi et qu'ils ne se découragent pas. Mais aide-les à appliquer le remède infaillible, Seigneur mon Dieu. La foi, la prière et le travail, Seigneur mon Dieu, qui va leur apporter espérance et satisfaction. Bénis donc ton peuple, Seigneur mon Dieu, et répands ton esprit sur ton Église, afin que, Seigneur, ton peuple puisse vraiment être prêt et que lorsque tu reviendras, tu puisses tous nous retrouver, t'attendant pour t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun et qu'il nous accorde sa grâce. Merci.